T'es sûr là, qu'on peut rien amener d'autre? Mais non, tout est là-dessus. Sauf toi, t'es chanceux. Bon, je le place où mon Nintendo? Hein? Oh ben, quelque part par là, là, dans tes souvenirs. C'est beau ça. Mais tu sais, je pense que t'aurais besoin de laisser aller ta créativité un petit peu, là. Tu sais, là, je veux des couleurs. Ouais, t'as raison, hein. Moi, je pense que je vais aller jouer au paintball avec les gars. Ah, ben, je pense que c'est plus comme un céramique café, là. Mais... Hey, pourquoi j'ai rien à me faire pardonner? Ouais, dans le fond. Oh non, Marianne, elle va sur le premier étage. Pourquoi? Parce que c'est là qu'elle sent le but. Ah, ben oui, c'est vrai. Excuse-moi, c'est là que la margarine se sent le but. Ben oui, elle aime ça quand tu étais à sa place. Ah, ben c'est drôle ça, la margarine, elle me fait penser à quelqu'un. Ok, mais où tu veux, mais maman l'a pas. Tu sais, Sarah, hein, que tu vas rouvrir le frigo plus tard. Oui, c'est pour ça que tu devrais la mettre à sa place. Regarde, sais-tu ce que je vais faire? Je vais placer la margarine n'importe où, puis ben ça va rien changer à ta vie. Toi, maintenant, là, à quel point ça te dérange que j'ai couché avec ton meilleur ami avant toi? T'as couché avec Mick? Ouais, mais je parlais de Sam. T'as couché avec Mick pis Sam. Hey, toi, tu considères Mick comme ton meilleur ami, même après que tu y as passé ton char, mais qu'il t'a quand même choqué pour venir te chercher à l'aéroport, pis qu'il a fallu que tu payes un taxi. Tu le sais que c'est pas de ça qu'on va parler, hein? Ouais. Je l'aime, lui. Ma colisse. Ah! T'en as une photo de toi pis ton ex. Mais non, mais c'était pour le cadre, il est beau le cadre. Ah, oh, t'es drôle. Tu voulais mettre une photo de nous dans le cadre en papier mâché qu'elle t'a fait. Non, non, c'est pas ça. Je voulais qu'on le jette, le cadre. Je voulais qu'on s'en débarrasse ensemble. On va y aller au céramique café. Tu m'as acheté des fleurs. Ben, acheté. Je suis allé dans un centre funéraire puis je t'en ai volé. Mais tu t'es allé là pour qui? Ben, pour toi, chérie. Oh, t'es fin, fin. C'est qui, tu t'appelles? Personne, mon frère. Ok, tu m'as encore pris ça à la douche traditionnelle. Oh merde, j'étais sûr que tu prenais traditionnelle. Non, c'est ton ex, ça. Puis pour vrai, à chaque fois, tu te trompes. Non, non, mon ex, elle prenait un caucus avec patates douces, extra sauce brune, deux petits pains puis salade de choux traditionnelle. Je m'excuse. Je t'aime, Mel. Sarah, Sarah, je t'aime Sarah. C'est Sarah que j'aime. Non, Sarah. Good job. Mais là, ça fait assez longtemps. Je peux aller la replacer, la margarine? Non. Ah ouais, tu sais, quand tu utilises le lavabo, là, t'as le droit d'essuyer toutes les petites gouttes que tu mets partout. Ah ouais, j'ai le droit, hein? Ouais, c'est dans le sens de... il faut, là. Ah. Faut qu'on t'appelle caporal aussi, je pense. Non, c'est juste au lit. J'ai là cette pâte à dents-là, on la rachètera. C'est quoi ça? Il y a plein de sable dans mes bobettes. Hein? T'as toujours voulu qu'on fasse l'amour sur la plage, là? Fait que t'as mis du sable dans mes bobettes. Mm-hmm. Puis d'après toi, c'est qui va ramasser tout ça? D'après moi, c'est Francis. Mais... avant ou après l'amour sur la plage? Tout de suite. Maintenant, je vais le ramasser. Je vais le ramasser tout de suite. M'excuse. Alors, replacer la margarine, ben oui. J'aimerais ça que des fois on fasse du dirty talk en anglais. Ah ouais? Ouais. T'aimerais ça que je te dise genre speak white, speak white. Ah, c'est pas parce qu'une fois on a fait ça sur le discours de René Lévesque là, que. Oui, j'aimerais ça. Hey, quand on était juste meilleurs amis, là, moi, je me disais, hey, moi, je pourrais jamais sortir avec ce gars-là, là, il est bien trop mou. Mais finalement, pas tant que ça. Wow. Encore un autre moment où t'aurais pu juste rien dire.
Je t'aime. Moi aussi, je m'aime. Et on est bien vivants ensemble. Hein? Mm. J'ai l'impression que juste chez ma mère, il arrête pas de me dire quoi faire, mais qu'il me prépare aussi des bons petits plats. Ouais, tu n'as pas que ta mère à te mettre un doigt dans le cul. C'est tout le temps qu'on parle de doigt dans le cul. Hein? Mais t'aimes tellement ça.